C'est le deuxième vlog que je fais sur cette chaîne, donc du coup je n'ai clairement pas l'habitude. Mais ce week-end c'est Livre Paris, donc du coup je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous filmer un petit peu tout ce que j'allais voir, tout ce que j'allais faire, toutes les copines que j'allais voir, tout ça, tout ça. Donc voilà, on est samedi matin, j'ai absolument aucun programme de prévu à part retrouver ma copine Alix des Modarva et arpenter le salon en long, en large et en travers avec elle. Normalement, donc du coup, on y va toutes les deux aujourd'hui, on y va toutes les deux demain. Et voilà, je vous embarque avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti! The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine. Là, je tiens à dire que mon petit nom, il est là, là, au milieu. Je suis dans tous ses livres, je suis dans tous les tomes 3 d'Illuminé imprimés en France. Wouhou ! Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Coucou mes petits loups, je profite d'un bonjour petit moment d'Aloïse. Voilà, pour vous montrer Jeanne avec qui je fais tout le salon et c'est trop trop bien, même si elle me fait acheter plein de livres. Mais elle fait pareil avec moi, donc tout va bien. Voilà, on fait un échange de bons procédés. Là, il est genre 16h30, 17h, le samedi. On a fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'achats. Et c'est notamment, pas fini. Voilà. Merci. Demain, je viens sans ma carte bleue. Hein. Il est hors de question que je continue de craquer sur toi. Et tu as hors de question de me réclamer ma carte bleue pour acheter des bouquins. Oui, mais je ne serai pas. Mais du coup, on vient de faire des achats trop, trop chouettes, dont un manga qu'on a acheté toutes les quatre avec mes copines. Elles sont là, mes copines. Voilà, et on a tout acheté. C'est celui-ci, Blue Flag, au stand Kurokawa, qui a l'air trop, trop génial. Et on a hâte de lire. On va faire une petite lecture commune. Oui, voilà, voilà. Probable. Et merci, monsieur le libraire. Ouais, le libraire était trop, trop top. Il nous l'a hyper bien vendu. Sur ce, nous allons retourner tranquillement à nos petits achats. Et puis, je vous laisse avec la suite du vlog. Salut les petits loups. Bon voilà, nous sommes samedi soir mes petits loups et il est grand temps que je vous fasse un petit récap. De ce que j'ai acheté aujourd'hui, j'étais censée avoir un budget d'environ 30€, autant vous dire que voilà, je ne l'ai pas tout à fait fait, hein, très clairement. Je vous montre pas ma tête parce que je suis en pyjama, tout ça, tout ça.
Mais bref, on va commencer et on commence par mon tout premier achat du salon et c'était un manga. Vous voyez, gros spoil là. Il s'agit de Magus of the Library, le premier tome. Honnêtement, le stand des éditions Kiun, vous l'aurez vu passer forcément en story, était canonissime et représente en fait ce bouquin. Moi j'ai lu cette petite phrase, protéger les livres, c'est protéger le monde. Et autant vous dire que quand j'ai vu ça, voilà, j'ai dit je le veux. On a ce super beau sac de chez Kiun et on avait pour l'achat du bouquin ce très très bel ex-libris avec j'imagine un des personnages du manga. Je le trouve magnifique et très très vite il sera affiché chez moi. Voilà voilà. Ensuite, autres achats, c'était au chat noir, parce que voilà, je me suis laissée tenter, mais à la fois comme je suis jurée du PLIB, il faut vraiment que je vous fasse une petite vidéo d'ailleurs à ce propos. Il y a deux livres notamment donc, chez les éditions du chat noir qu'il fallait que j'achète. Le premier c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, j'en ai profité, je me suis fait dédicacer, voilà voilà. Et c'est tout pareil pour La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Au chat noir également et que je me suis fait dédicacer. La dédicace est magnifique. Et ces deux auteurs ont été absolument adorables. Donc je suis trop trop contente de mes achats de ce côté-là. Ensuite avec ma petite Jeanne et ma petite Amrita, on s'est baladé, on a fait des photos, on a fait des andouilles. Voilà, voilà. Voilà. Vraiment, genre, aucun respect. Les filles, je suis désolée qu'on vous voit comme ça. Ou pas, d'ailleurs. Et ensuite, autres achats. Chaque année au Salon du Livre, il y a un pays invité. Alors cette année, c'était l'Europe. Mais l'Europe avec un zoom sur la Roumanie. Et donc du coup, je me suis acheté, comme chaque année, un auteur donc, du pays invité. Donc c'est un auteur roumain, Elie Wiesel, qui a été prix Nobel de la paix. Et voilà, pour son petit livre, L'Aube, qui n'a pas l'air très très joyeux, mais qui a l'air très bien, notamment sur... la guerre, ce genre de choses. Je me suis également acheté en commun avec ma petite Jeannette Le Cirque Interdit de Célia Flo chez Scrineo. Elle m'a complètement convaincue et on s'est fait une double dédicace toutes les deux. Et l'auteur était trop chou aussi et franchement ce titre me tente vraiment pas mal. Et enfin, on est quatre à s'être fait avoir par le libraire et nous avons tout acheté. Le tome 1 de Blue Flag de Kaito chez Kurukawa. Coucou mes petits loups! Merci pour le superbe bruit de mouchage. Ah non, c'est une voiture qui se gare. C'était pour vous dire qu'aujourd'hui on est dimanche et que là je vais juste à une vente de plantes avec mon amoureux et que après je vais au salon. Voilà voilà, pour la suite de mes aventures. Et petite nouvelle, je n'ai pas pris ma carte bleue. Donc normalement il n'y aura pas d'achat. Ou sinon je vois pas comment. A plus. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Comme ça, bref, le temps de rentrer chez moi. Désolée si ça bouge parce que je filme toujours avec mon portable, donc du coup pour l'instant ça risque de bouger un petit peu. Oui, j'ai une trace de rouge à lèvres parce que Janelle m'a dit au revoir. Voilà, et vous avez pas les anciennes, mais j'avais une autre super copine. Bref.
qui tout le monde a décidé de me faire des bisous avec des gros rouges et à lèvres bien rouges. Aujourd'hui, comme je vous le disais au tout début de la journée, en gros, je suis allée au salon sans ma carte bleue pour éviter de faire de nouveaux achats complètement irraisonnés. Par contre, j'avais quand même emmené le dernier tome qui est juste là. Le dernier tome des Sœurs Carmine d'Ariel Holst que j'ai lu en début d'année. C'était d'ailleurs ma première lecture de 2018 en fait. Que j'ai absolument adoré. Bah, c'est les Sœurs Carmine quoi. Genre, il n'y a pas photo et que j'ai fait dédicacer du coup par Ariel Holst. J'étais super contente de le revoir. C'est le genre d'auteur avec qui bah, je suis toujours ravie de discuter. Et surtout, je suis très curieuse de connaître ses nouveaux projets. Donc, on en a un petit peu parlé. Et on va entendre parler d'Ariel Holst encore. Et c'est tant mieux. Sinon le salon c'était beaucoup de rencontres, de papotages parce que du coup j'ai vu très peu d'auteurs, j'avais pas du tout un planning qui était prévu. Donc du coup je me suis fait plaisir, j'ai croisé des copines par-ci par-là, alors j'ai fait mon salon avec ma petite binomette Amrita que vous commencez à connaître, avec ma petite Alix Desmodarva que vous connaissez encore plus. Mais j'ai aussi fait le salon avec Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres. Toutes les chaînes de toutes mes copines seront en barre d'infos. Et voilà, on l'a fait beaucoup craquer, mais elle nous a conseillé aussi énormément de livres, c'était génial. Et je suis en train de me prendre, genre juste un rayon de soleil, mais en pleine gueule, c'est violent. Enfin bref, c'était vraiment un super salon. Voilà, Livre Paris, ça reste pas mon salon favori. Je préfère Montreuil parce que c'est plus petit, un peu plus convivial, mais franchement c'était top quand même. Ça me motive énormément à essayer de faire les imaginales et franchement le rayon de soleil ça devient de pire en pire. On va se déplacer. Donc du coup, ce petit changement, hein, je disais que du coup j'étais très tentée de faire les imaginales dont j'ai eu de très bons retours. Donc du coup on verra, peut-être que je le ferai, je vais essayer de me motiver en tout cas. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir voilà, de filmer tout ça. Ça me fait à la fois des souvenirs et vous, bah, vous verrez ce que c'est un salon avec moi, avec ma petite tête là, qui vous force à acheter des livres d'ailleurs. Bah, je pense que dès que je sortirai mon vlog, bah oui, je le sors déjà. Je suis con. Dès que possible, en tout cas, surveillez la chaîne de Jeanne aime les livres parce qu'elle aussi, elle a fait un vlog sur ce salon et des petites choses intéressantes aussi parce qu'on a fait le salon ensemble. Bref, assez de blabla, c'était trop cool. J'ai ma petite pile de livres du salon qui est pas trop énorme, donc je suis assez contente. Et voilà, je suis juste trop heureuse. Donc mes petits loups, j'espère que ça vous aura plu et j'espère revenir très vite de manière régulière sur la chaîne. En gros, pour l'instant, ma bibliothèque, elle est là, mais elle est pas du tout pleine. Normalement, le week-end où je vous poste ce vlog, je suis en train d'essayer de déménager la plupart de mes livres, mais le problème c'est que j'ai que 7 bibliothèques. Et autant vous dire que ça ne rentre pas du tout là-dedans. Donc le but, ça va être d'en acheter une autre. Donc le décor, il est un peu en construction pour les vidéos à venir. Et j'ai un autre problème, c'est qu'avant, je filme avec la caméra de ma petite sœur et que du coup, bah, je suis partie de chez moi. Donc voilà. Donc soit je trouve un moyen de lui emprunter de temps en temps, soit j'essaye de filmer avec mon téléphone. Ce qui est pas trop mal. Enfin, sur mon iPhone, donc il filme pas mal. Mais c'est juste qu'il faut que je trouve un moyen de le poser. Enfin bref, j'en... Bon, la mémoire de mon téléphone me dit que c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ah oui, et j'étais en train de dire que si vous n'avez pas trop de nouvelles de moi sur YouTube, franchement, allez me voir sur Instagram, je suis beaucoup plus présente. Voilà, n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups !